Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur ma map Ramsès 2 avec le pack de ressources. J'avais oublié de le mettre avant d'enregistrer. Oh, quand même. Sans le pack de ressources, cette map n'a plus aucun intérêt. Ou presque. Bon, alors, ouais, j'ai mis des PNJ pour me marrer, j'ai mis des PNJ là. Ouais, c'est cruel. Parce qu'ils savent pas descendre à l'échelle. Donc, on va essayer d'en faire descendre à l'échelle. Attendez, j'arrive les mecs. Alors, regarde, regarde, t'as vu là, il y a un trou. Toc, toc. Et voilà. Et toc, toc. Ah ouais, mais toi, t'es pas con. T'es pas con. Non, t'es pas con du tout. Ah, attends, c'est moi qui suis un petit peu con-con. Voilà. Alors après, vous êtes là. Regardez, c'est marrant. Parce qu'il y a encore un trou là. Et voilà. Ah, taf de garder des enfants. Garder des PNJ. Voilà. Non, tu veux pas? Mais si, vas-y. Là. Bon, allez. Bon, d'accord. Ça va bien? Ouais. Elle est classe, hein, votre maison. C'est une nouvelle maison que j'ai faite très récemment. Alors, nombre de golems de fer apparus. Beaucoup. Lui, c'est un nouveau. Et plus ça vient, plus il y a des golems de fer. Ah, oh pardon, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Hop, là, de nouveau. Coucou les mecs, ça va? Je leur donnerai des noms un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Là, j'ai donc fait une nouvelle maison qui est quand même mignonne. Attends, je vais prendre autre chose dans ma main parce que là, voilà, j'ai fait une maison là comme ça. Tada! Tu vois? La forme de la maison. Classe, hein? Ouais. Oui, elle est pas pareille des deux côtés. Tant pis. J'ai trompé. Voilà. La maison est là. Là, on a des PNJ qui se promènent. Il y a même un bébé PNJ. Bonjour, bébé PNJ. Je me barre. Il est naze. Et là, c'est la chambre à coucher, cachée derrière des portes comme les PNJ aiment les portes, ça tombe. Voilà. Et j'ai fait encore une autre maison, qui est donc celle-ci. Voilà. Tada! Je fais des formes un petit peu qui changent. Voilà. Et là, pareil, j'ai fait la chambre à coucher derrière des portes. Mais là, il n'y a aucun PNJ qui l'aime, cette maison. Donc, bah, tant pis. Il n'y a personne. C'est pas gênant. Toutefois, si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ma dernière création. Merci, petit PNJ. Oh, génial. J'ai mis une torche. C'est pas grave. Ah, oh, je suis contente. Un petit PNJ qui rentre dans la maison. Bon. La torche, on va peut-être l'enlever. Merde. Mince, pardon. Oh, petit peu bordélique, Orphéa. Ça va? Ouais, t'as pas peur? Non? Non. Ah, il dit j'ai pas peur. Je vais me faire dégommer dans 2 secondes, mais ça va. Alors, aujourd'hui, nous avons un truc à vous montrer. Est-ce que t'as déjà été à la taverne d'Osiris? Non? Mais viens. Viendez les gens, viendez, viendez. Tiens, il y a un petit bébé qui dormait sur le canapé qui commence à se réveiller. Ici, nous avons donc la taverne d'Osiris. Petit endroit de détente où l'on peut boire un petit verre, tranquille, peinard. Voilà. Sur cette map, après avoir bien travaillé. Après avoir été travailler dans le magasin là-bas ou avoir fait des courses, on peut très bien aller ensuite dans la taverne d'Osiris. Tada! Avec les magnifiques portes en fer. Tada! Et voilà la taverne d'Osiris. Donc on a un peu tout. Okay. On a des tables, on a
des coffres avec à l'intérieur des fioles d'expérience parce qu'il n'y a que ça qui se stack, alors du coup ça allait moins. Ah, j'ai fait un peu plus rapidement quoi. C'est une poule qu'on entend ou c'était le coffre? Non, il y a une poule derrière. Hop, bah voilà. Donc le sol a été fait un petit peu de façon à avoir plusieurs blocs. Voilà. On a différents blocs, on a de la laine, on a de la pierre, on a de la terre, on a du gravier, du pozzol, du grès, on a de tout. Voilà. Moi, ça m'a fait triper de faire ça parce que j'avais vraiment envie de faire un truc un petit peu délirant. Quelque chose qui rentre pas du tout dans les clous et qui ressemble à rien, quoi. Voilà. Bah, qui ressemble à rien. Il ne copie rien. Voilà. Ça ressemble quand même à quelque chose, mince. Quand même. Quand même. Voilà. Donc, voici la taverne d'Osiris. Moi, je vous avouerai que ça m'a fait triper de le faire. Et le plaisir que j'en ai retiré, c'est que je j'ai pas du tout calculé ce que j'allais faire. Voilà. J'ai pris les blocs que j'aimais bien, que je trouvais beaux. Je trouve que le puzzle avec le pack de ressources est quand même très beau. Et là, on va rigoler 2 secondes. Non, c'est pas ça. Pack de ressources, on va l'enlever. Pour voir ce que ça donne sans le pack de ressources. You. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, quand même. Waouh! Ah, comment que c'est moins beau! Ah, comment que c'est très moche! Ouh, Berk! C'est vraiment pas beau! Ah, dis donc! Et j'avais pas testé et je voulais le faire, mais ouais, j'aurais pu vous épargner ça quand même. Ça va, Violette? Oui. T'as bien dormi? Ah, c'est classe. Bon, allez, on va remettre le pack de ressources. Ça sera aussi bien. Hop. Quoi, vous voulez tester avec Sugar Pack? Eh ben, on est parti. Non, tu veux pas tester? Bah si, attends, on va voir ce que ça donne. Ouais. Moi, c'est maman. Ouais, moi, c'est maman. Oh, waouh! Eh, j'aime bien. J'aime bien. T'aimes bien, toi, Violette? Non? C'est pas beau? Elle se réveille, elle dit, moi, j'ai envie d'aller avec papa. C'est quoi, ce bloc, là? Attends. Nana. Ouais. C'est le puzzle qui est beau comme ça? Non, j'y crois pas. Waouh! Je crois qu'il va falloir qu'on se ramuse. Ramuse, on va se ramuser. On va s'amuser encore avec des packs de ressources. Je sais pas si ça vous dit. Moi, j'aime beaucoup les packs de ressources. Et là, pour tout vous dire, info spéciale d'Orphéa. Pour faire ma prochaine série de déco, il va me falloir un pack de ressources et je vais être obligée d'en chercher. Donc, tant qu'à faire, peut-être je ferai des vidéos dessus. Tac. Voilà. Oh bah, hey, on rentre, il fait jour, on sort, il fait nuit. Tac. Violette, tu viens dire au revoir? Je vais peut-être vous laisser quand même. On est dimanche aujourd'hui. Très bon dimanche à toutes et tous. Et puis, ben merci d'avoir regardé cet épisode de déco. Il n'est pas très très long, mais ça m'a quand même demandé énormément de travail. Merci pour votre soutien, parce que j'ai souvent des messages hyper sympathiques. Et ça me fait vraiment très plaisir. Tant, on va aller sur là-bas. Ce sera plus dans la clarté. Tu trouves ça joli, Violette? Ouais? Allez, t'envoie des bisous. Encore un? Encore un? Oh, c'est bien. Allez, bah moi aussi je vous fais des gros bisous.
Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Bon dimanche et merci d'avoir regardé cet épisode. À plus tout le monde!